Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur Minecraft, faites pas attention à ce qu'il y a derrière. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment dupliquer des objets en survie. Ça marche qu'en solo par contre, donc si vous êtes en multijoueur ça marche pas. Déjà on aura besoin de ça, on aura besoin de d'un coffre, voilà. Et des objets que vous voulez dupliquer. Donc moi j'ai des shulker blocks. Moi je vais vous montrer ce que j'ai dans les shulker box. Attendez. J'ai des shulker box pleines de diamants. Donc vous voyez que j'ai mes shulker box. J'ai mes diamants à l'intérieur. Bon, bien sûr, vous pouvez faire ça même si vous avez d'autres objets. Hein. Ça marche avec tout. Mais il faut juste un coffre. Donc maintenant que vous avez votre petit coffre posé, vous allez devant. Et maintenant, il va falloir mettre vos render distance à genre 9. Moi, je fais toujours 9, ça marche très très bien. Donc, quand c'est bon, vous allez sur le jeu, back to the game. Vous faites F3A, ça reload tous les chunks. Maintenant, vous allez venir devant le coffre. Vous allez faire escape, donc en haut à gauche, SC. Donc tout le monde sait c'est où, mais bon quand même. Vous allez dans les vidéo settings et render distance, vous la mettez au max. Simulation distance au max. Vous donnez done, save and key to title. New world. Voilà, quand c'est bon, vous ouvrez le coffre. Vous mettez vos trucs dedans. Donc quand c'est bon, vous quittez surtout pas le coffre. Au fait, CTRL, SHIFT, ESCAPE. Vous voyez que là, j'ai mes trucs. Je vais appuyer sur OPEN. Il faut appuyer sur OPEN JDK, plateforme binary, fin de tâche. Le jeu a crash. Vous voyez rien, mais le jeu, en gros, il vient de crash. Donc, vous le relancez. Là, vous revenez sur votre petit monde. Normalement, voilà. J'ai toutes mes shulker box ici. Et j'ai mes shulker box dans mon inventaire. Alors je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et ciao ciao.